Et salut tout le monde, c'est Mentali ici, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. J'ai vu que le précédent épisode vous avait plus ou moins plu. Donc là, on va avoir droit à un deuxième hors-série. Bon, c'est pas grave, vous aurez une très légère bordure noire là, je crois. Et donc, on va essayer de recommencer. Mais juste regarder les personnages. Donc, il y a Magdalene, Cain. C'est 50ème pièce, ok. Ok. 18. Ok. Ok, bon, ben voilà. Donc, on va prendre Isaac. Ah, il faut que je me remette dans l'ambiance. Maintenant, j'essaye de jouer sans la souris parce que j'ai vu que ça faisait moche. Allez, c'est bon, je suis motivé, les amis. Ok, bon, il y a directement l'objet, on va pas se plaindre, hein, les amis. Hop. Une plume. Space to use. Tiens, on va casser ça. Crève le feu. Toi aussi, crève. Voilà. Tu ne veux rien, saleté de feu. Alors là, je crois que ça vaut le coup d'utiliser une bombe. Et là aussi parce que j'ai pas envie qu'il reste une bombe quelque part et que voilà. Oui, je sais, au final ça fait que vous faire perdre du temps, mais bon, c'est pas grave. Ah non, pas ça, ça c'est violent. Crève, non, putain, elle vit toujours, crève, voilà. Et cœur, ah bah non, pas cœur. Crève. Bon, on va d'abord s'occuper du spawner. Voilà, ok. Ah, le spawner ne peut pas spawner tant qu'il n'est pas régénéré à fond. Oh, une clé, trop bien. Hop là, bon, on progresse. Alors, je suis face à Pin. Pin. Ah non, j'ai voulu faire un jeu de mots, mais non. J'en vois pas. Ah, putain. Oh. Ça, ah, je surkiffe. Or, tir, c'est la vitesse de tir en fait, je crois. J'ai fait un petit tour sur le wiki du jeu, hein, entre temps. Oh, ce pauvre Isaac. Alors, hop, ouais, en bas. Oh, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Oh, aïe. Ça fait mal. Tiens, on va éteindre le feu. Tchou. Yes. J'ai mon premier sou. Oh oh. Non, remouche. ça, je crois que c'est nickel. Dommage up. Ok. Bon, bah, dommage up. On va pas se plaindre, les amis. Alors, bah, au coup, tu sur la droite. Ok. Bizarrement, cette partie, je la sens bien. Ah bah, il y a le boss, bon, on va utiliser notre super plume dessus. Monstro. Ah, fuu. Allez, crève. Monsieur, je t'explique, t'es censé mourir. Voilà. Tâche ton cou. Oh, putain. Wow. Mais, monsieur, arrête. Que tu fais, ça sert à rien. What the? Aïe. Ah, y'a pas à chier, c'est un vrai véritable sac à PV. Hein. Crève. Wouhou. Oh, je suis passé sur la trappe. Oh, ça c'est quoi?
Squeezie, Tears Up. Alors, Tears, c'est la cadence de tir, ouais. Bon, alors j'ai gagné 2 cœurs bleus. On va continuer à progresser, les amis. Donc, où est-ce qu'on est pas encore allé? En haut. Parce qu'il faut trouver la salle au trésor, évidemment, les amis. En sachant que j'ai pas rejoué. Enfin, si, j'ai fait une partie, en fait, entre temps. Oh là là, la puissance, quoi. Allez, cassez-vous. Attends, mais tirs plus dommage, ça fait super mal. Hein. Du rouge à lèvres. Range, range, je crois que c'est la portée. Ouais, c'est la portée. Franchement, là, je crois que... Aucun doute possible. On va péter les crottes, hein, parce qu'il y a peut-être des trucs dedans. Là. Les crottes, c'est un petit peu comme les... les herbes en Zelda. C'est un peu aléatoire, ce qu'il y a dedans. Oh oh. Wow, la puissance. J'ai une pièce, donc je vais pas aller tout de suite dans le magasin. Le magasin, c'est le truc avec le C, là. En fait, le truc avec le C, en fait, c'est simplement censé représenter une pièce, donc on peut se douter que c'est un magasin. Donc, vérification. Ouais, la pluie, mais elle fait super mal, hein. Je vais la garder longtemps, je crois. Je savais pas sur quoi je tombe après, mais... En tout cas, Isaac, t'as une gueule un peu improbable, là. On dirait un alien qui s'est pris un rocher dans la tronche. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien compris. Alors, on est à cave 1. What? Wow! Voilà, et... Voilà. Une carte, on va tenter de la récupérer. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ace of Spades. Alors, je sais que tout ce qui est As et conneries comme ça est surpuissant, donc je l'utiliserai sans doute face au boss. Voilà. Plop. En ce moment-ci, on fera qu'une partie, hein. Tant pis si elle dure que 5 minutes. Ok. Je sais pas ce que c'est que cette chose. Monsieur, tu dois mourir, c'est écrit dans le scénario du let's play. Oh, non mais... Putain mais... Da fuck. Ah, the left hand has appeared in the basement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, donc en fait non, la carte c'est juste un item qui nous permet de gagner plus de trucs. The Sun. Ah, The Sun, je connais, c'est une excellente carte, elle permet de faire un truc génial. Je crois que c'est de la régène de vie. Mais je suis pas sûr. Bon, on verra ça. Alors, hop. Ah. D'accord, super. Ah, mais lâche-moi. Espèce d'agent dans Pôle emploi. Oh putain, pas ça. Allez, là je fais un massacre. Allez. This is Sparta. Ah merde, il y en a encore. Non, pas ça. Arrête de me suivre. Ok, bon bah tout ça pour rien. J'ai perdu un cœur et demi bleu. Enfin... Quoi? Da fuck, c'est quoi cette mouche verte? Voilà. Pas compliqué à battre. Tout ce qu'il faut, c'est garder le sourire, les amis. Bon, on va taper ça. Non, bon, d'accord. On va d'abord tuer ça parce qu'il invoque et c'est chiant. Crève. Non, mais crève, monsieur. Voilà. Ok, je crois qu'il a invoqué des trucs en crevant, mais que bah, c'est mort rapidement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh oui, ça c'est bien. Alors, non, alors ça je sais qu'il faut pas prendre parce que c'est en rapport avec les bombes et que ça pue. Bon, on va prendre juste pour voir ce que ça fait.
Ouais, kamikaze, c'est ce qui me semblait. En fait, ça nous vire un cœur et ça fait du mal aux ennemis, je crois. Je sais plus exactement ce que ça fait. Isaac versus Shub. Shub. Ok. Oh. Aïe, mais arrêtez de me toucher. Non, casse-toi. Oh oh. Wow. Allez, torero, torero, wow. Torero. Torero, wow. Voilà. Tu ne peux rien faire contre la surpuissance des larves du caca. Bon, ce que je viens de dire est stupide, mais c'est pas grave. On va juste explorer les salles au cas où il y aurait des trucs intéressants. On va laisser ce cœur là au cas où je perdrai. Enfin voilà quoi. Si on a perdu qu'un demi-cœur, faut mieux laisser le cœur entier, tout ça. Bon, après, ça dépend à quel niveau de vie on est. Mais bon, là je crois que je suis à 3 cœurs et demi. Je peux me permettre de me balader. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Ah oui, la carte. Ouais. Bon, bah on va à gauche. Ok, bah je peux y aller tranquille. Une tête de chat. Space to use. Ok. Voilà, je préfère la plume. Là, ici, qu'est-ce que nous avons? Ouais. Ah, une salle secrète. Alors si, je sais que maintenant qu'on peut faire exploser les machines avec des bombes. Mais là, vu que j'ai que deux bombes, je pense que je vais essayer de les garder. Après, je sais pas ce que ça lâche exactement. Tout ce que je sais, c'est que c'est pétable à la bombe. Mais je sais pas ce que je peux gagner en les pétant. Donc au cas où ce serait mauvais, voilà. Ah putain, mais ah énorme, pardon, non, ça c'est pas bien tout de la gueule de ça. Oh oh. Voilà, un demi-cœur, c'est pas trop mal, hein. Ça permet de récupérer la beauté de ce que j'ai perdu. On progresse. Qu'est-ce qu'il y a par là? Une pilule! Ah, j'oublie ce que ça faisait les pilules. Ah oui, non, c'est aléatoire les pilules. Alors, bas de gaz. D'accord, donc maintenant toutes celles qui sont blanches et bleues, là, les pilules, ça va, donneront des bas de gaz jusqu'à là. Oh oh. Non, là, tout ce qu'il faut en fait sur eux, c'est. Tous les transformer en tas de compotes. Et après, il suffit juste de quelques coups pour les tabasser après. Enfin, bref. Vous m'avez compris. Et si vous m'avez pas compris, c'est tant pis pour vous. Alors, voyons ça. J'espère que le boss est par là. Oh, fût. Lâche-moi! Aïe, d'accord, lui il fait mal. C'est quoi ça? Portable slot, space to use. Eh, ça consomme mes pièces cette connerie, j'en veux pas. Putain, j'ai perdu deux pièces quoi, fait chier. Alors à quoi ça sert de left hand, hand? Hand, hand, hand. Bref, la main gauche. Salut les poteaux. Je sais que vous voulez me faire des câlins. Mais vous savez, je ne signe pas d'autographe. C'est pas à peine de venir m'attaquer comme ça. Wow. Oh. Ah ouais, je vois, vous êtes du genre violent.
moi. On va essayer d'éviter les pics. Hein. Bon bah c'est le boss, hein, donc je pense qu'on n'a pas trop le choix, on va devoir y aller. Enfin, si la plume est rechargée, on y va. Sinon, bah c'est mort. Bah, voilà. Ok, bah on y va. Allez, qu'est-ce que ça va être? Eh, pour une fois, je crois qu'on a battu encore. Versus Gurdy. Aïe! Pas très très compliqué celui là. En fait tout ce qu'il faut c'est se foutre là et attendre qu'il commence à faire le coup. Voilà. Et en plus il a plein de cœur, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? HP up. Ah bon, bah voilà, dessert. Ah bah c'est très bien le dessert les amis. On va juste explorer la salle que je n'ai pas encore explorée en bas. Voilà, et à gauche. Ok, donc une machine à sous. Et encore à gauche, c'est... Oh oh. Ok, j'ai l'impression que ces bestioles attaquent de manière complètement random. Ok. Ok. Rien de loot intéressant. On continue. Allez. Voilà, c'est bon. Une clé. En haut, il y a quoi? Ok, une salle à bobo. C'est quoi? C'est un cœur ou un cœur? Ah ouais, non, mais non. Il y a une récupération, machin. Ok, donc on progresse. Quoi que... Non, j'allais dire j'ai 3 pièges, je peux faire le fou au shop, mais non, je sais qu'en principe les items intéressants coûtent 15 au magasin. Ah, remarquez maintenant que j'ai toute ma vie, je peux peut-être aller dans l'arène. Ouais, on va essayer de voir si je peux rentrer dans l'arène. Si je peux pas, bah c'est tant pis. Et si je peux, bah c'est tant mieux. Ah non, d'accord, j'ai pas le droit. Alors, je vais tenter la salle secrète. En voyant ça, on m'étonnerait qu'elle soit au niveau du boss. Donc on va tenter ici là, dans cette salle là. C'est là, voilà, comme ça. Ouais, évidemment. Voilà. Et une machine à sous. Ouais, pour une fois, je vais la faire péter. J'espère que je fais pas une connerie. Wouhou! Bah c'est sympa. Sympa, je ne suis plus que totalement pauvre. Et la musique qui se relance là, en mode ouais, trop bien. Ah là là. Bon, on progresse. Et on va à l'étage du dessous. Non, j'ai pas besoin de ce que. Ah, non, 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 allez, je l'aime. Ah putain, non. Putain de persécuté, c'est Isaac. Aïe! Barrez-vous, bande de cerveaux infâmes! Voilà, et le dernier, il est ici. Ouais! Alors, le magasin est à droite, mais on va pas y aller. Oh fuck! Voilà. Oh, génial, un cœur en argent. Oh, fuck! C'est quoi ce délire? Ouf, j'en ai eu un. Aïe, mais...
Mais... Ah, mais... Je prends juste super cher de partout. Voilà, fou. Et... Ma clé. Ma clé. Je veux ma clé. Bon, tant pis. Flop, 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 flop. 9 pièces, j'ai pas encore assez pour aller jeter un coup d'œil au magasin. On va aller à gauche. What? Espèce de fourbistutu. Voilà, crève. Non, toi aussi crève. Aïe. Là j'ai hésité, puis voilà, je me suis encore fait hit, j'en ai marre. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des vagins sur pattes. Putain, ils ont leurs règles. Non mais, voilà, putain. Pouah. Voilà, allez, on va tous les avoir. Lui il nous a fait un mini sprint là d'un coup, c'est... Voilà, donc encore une clé. Alors ça par contre, niveau clé, je pense que je suis à l'aise. Ce qui me manque maintenant, c'est les bombes. À mon avis, la salle du trésor est juste là. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, quelque chose me dit que vu comment ça clignote leur truc rouge là, je ferais mieux de pas aller dedans. Quoi? Et les gens perdez pas la tête hein. Non mais vraiment. Mais genre cassez-vous en fait. En fait je suis très légèrement coincé donc. Voilà, ok. Oh génial, j'ai une bombe. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par le... En bas, là, juste en dessous, là. Là, ici. On va péter ça. Voilà. Oh putain, j'ai cru qu'il y avait des Michelin de mouches. Bon, ok, donc j'ai des gentilles mouches qui me suivent. Ok. Et puis, pour la clé, on laisse... pour la bombe, on laisse tomber. Oh, c'est ça. Oh, j'ai une clé, c'est sympa. C'est toujours plaisir. Et donc toi, tu vas mourir. Voilà, et ben on va péter ça là. Boum. Ouais, alors ça, j'ai vu venir, mais à 3 km. Hein. Putain, qui est dur ce jeu. Encore ces foutues mouches. Eh mais je vous jure que les créateurs de ce jeu voulaient que je me coller une crise cardiaque en le créant. Bon, bonne nouvelle en tout cas les amis, je pense qu'on en a plus pour longtemps au niveau vidéo. Parce que... Est-ce qu'il y a une phase de Binding of Isaac? Je pense pas. Hein. Bon sinon il y a toujours pas de salaud. D'accord. Aïe. Aïe. Ouais, c'est ce qui me semblait, ça servait bien à ça. Ça sert à régénérer la vie en fait. Bon, j'étais à demi-cœur les amis, je pouvais pas. Hein. Quad shot. Oh, 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 oh. C'est l'heure de la fessée. Versus Loki. Haha. Pardon. Aïe. Aïe, 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 ah mais aïe. Aïe.
Mais en plus, je suis poursuivi par ce putain de pic. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pilules. Ok, dites-moi qu'il y en a une qui va être bénéfique. Bombs Orky. Ok. Bad trip. Ah non. Full elf. Yes. Et bad trip. Hein? Mais attendez, mais c'est les mêmes pilules que. Oh, et puis merde, je veux même pas savoir ce qui vient de se passer. Une perruque. Oh. Oh non. Pitié. Alors, The Death 2. Ah mais je suis content là, j'ai des espèces de tirs un peu chelous là, mais c'est... En plus ça fait bien mal quoi, enfin... Je kiffe quoi. Aïe 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 aïe. Alors je subis quelques ralentissements les amis, hein. C'est normal. Je présume. Ouais bah même truc que tout à l'heure hein. Anytime qui se bat comme ça, non je veux pas, voilà, non, c'est, voilà. Oh fu. Voilà, monsieur tu meurs, et toi aussi tu meurs. What ça? Pardon. C'est fourbe c'est un peu. Mais c'est pas un boss ça? C'est pas un boss toi, de base. Très petit. Non mais petit, tu dois crever, voilà. Ah si, si je me souviens bien, j'avais vu sur les wiki qu'on pouvait faire un truc très rigolo avec lui. Voilà, ça. C'est drôle, moi j'aime bien. Allez, crevé. Et on gagne une clé, waouh, super. Bon, en tout cas, on n'a plus de problème de bombe. Oh, fût. Trêve. Ah, ah oui, 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 ça, je prends. Voilà, alors, on progresse. On va d'abord chercher la salle des... Ouais, si d'abord chercher la salle du trésor, parce que si je me prends de gros dégâts... Je suis pas à l'abri de ma propre noobitude, les amis. Hein. Pourquoi t'as détaché ta tête comme un grand, toi? Alors, non, il n'y a rien qui m'intéresse, là. Donc on va partir à droite. Non, peut-être pas en fait. On va monter. Hop là. Oui, je me prends les murs. Ah, quoique là j'ai le truc, j'ai la plume. Donc il vaudrait peut-être mieux que je fasse le boss en réalité. Ouais, on va faire comme ça. Alors, donc c'est parti. On y va. Ouais, on y va. Quoi ? Un cœur bleu, non, je veux cœur bleu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais je croyais que c'était censé être le boss final, mais je suis déjà au boss. Ah, crève. Ah, crève, j'ai une puissance de mouche, ça m'empêchera pas de te tuer. Non. Ah putain, elle me monte. D'ailleurs, c'est quoi ces pustules? Bonjour madame, là. Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself.
This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Quoi ? Trois essais pour terminer le jeu ? Enfin, quatre ? Da fuck ? Putain, mais c'est le GG en fait, les amis. Je suis trop puissant. Enfin, je reconnais que je suis quand même sacrément surpris. Je m'attendais carrément à plus galérer, mais... C'est pas mal. Enfin, honnêtement, moi, je vais pas me plaindre. Il y a plein de monstres que j'ai pas vu par contre. Mom. And Isaac. Bon, bah alors, écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là. Hein. Je vous avais dit de toute façon qu'à se laisser. Alors, je suis particulièrement fier de moi, voire même très très content. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de pouces verts si vous voulez encore plus de Binding of Isaac. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.